Ladies and gentlemen, bien le bonjour, c'est Darkhaven et bienvenue. Alors c'est une annonce importante aujourd'hui parce que j'ai 2-3 petites choses à vous dire. Alors premièrement, il y a un heureux événement et en même temps bon c'était prévu déjà, hein, mais Azn, alias le petit panda, va être absent pendant un mois. Pourquoi ? Alors pourquoi il va être absent pendant un mois ? Premièrement parce qu'il va avoir la naissance de son troisième enfant, hein, ça arrive bientôt, donc grande félicitations à lui, hein, du coup ça arrive. Et notamment, pile au moment où il allait me dire j'allais être absent, en fait, son disque dur l'a complètement lâché. Bon, ça lui laissera le temps aussi de récupérer un PC, donc il sera toujours disponible un petit peu sur Skype de temps en temps via son portable. Mais ce qui fait que bon, même nous sur Skype, parce que de temps en temps c'est lui qui répond ou c'est moi, on sera peut-être un peu moins dispo, hein, parce que quand on est deux c'est plus facile de trier pour parler aux gens et tout. Donc voilà, ça c'est déjà un truc très important à ce niveau-là, mais ne vous inquiétez pas, les vidéos ne s'arrêtent pas. C'est-à-dire que moi je continue à faire les séries, donc mon aventure suit dans Lazer, il y en aura un peu plus, hein, donc je vous conseille d'aller regarder, hein, je commence à évoluer au fur et à mesure. C'est fort sympathique, donc je vous convie toujours à regarder cette petite aventure dans Lazer. Craftmania, je continuerai en jouant tout seul ou en invitant des gens de la Craftmania, justement, hein, des gens qui sont avec moi, donc il n'y a pas de souci, ils sont toujours disponibles pour faire quelques vidéos avec moi, donc je ne serai pas forcément tout seul. Je ferai les vidéos spéciales abonnés. Alors tout seul maintenant, hein, désormais, et pareil, j'inviterai des gens de temps en temps, des amis à moi IRL, ou soit des gens de la Craftmania qui sont là, il y a déjà des gens qui ont commencé à tourner avec moi, donc ça c'est super et je les remercie pour leur soutien aussi. Je continue et je réattaque les présentations de mode. Présentation de mode que j'ai laissé un petit peu de côté ces derniers temps, bah, je vais essayer d'en ressortir. Bon, je sors jamais régulièrement, mais il y en aura quelques-unes de temps en temps. Et peut-être une aventure suivie, qui sait, entre les deux pour combler un peu pendant ces un mois. Mais logiquement, avec tout ce qu'on a déjà proposé, je pense que pendant un mois, il n'y aura pas de problème. Voilà, ça c'était la première annonce importante. La deuxième, donc je serai présent, et là je vais reprendre un peu le principe, Ruki l'avait annoncé IRL, et je pense que c'est une bonne solution, à des cubes et des pioches. Alors ça y est, je sais, tout à l'heure déjà je disais, j'hésitais des pioches et des cubes, ou des cubes et des pioches, en tout cas c'est réalisé par Biloulette, et ça se tiendra à la Cité des Sciences à Paris, le 26 et le 27 octobre, donc nous serons présents avec deux membres de la Craftmania en plus. Il y aura donc Ruki 26, je vous laisse regarder une petite image, donc Ruki. Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Rocket6, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau vlog. Vlog un peu spécial puisque la caméra a changé, l'angle de caméra a changé, maintenant vous voyez un petit peu l'autre côté de ma chambre. Je suis en plein montage d'ailleurs. Enfin bref, c'est pas très important, c'est pas ça le plus important. Et enfin donc Oxylac. Eh bien, salut les amis, c'est Oxy et aujourd'hui, eh bien, on se retrouve pour la FAQ des 1000 abonnés, même si on les a dépassés maintenant. Voilà, donc ces deux personnes-là seront avec moi à la Cité des Sciences. Or, je sais pas pour combien de jours, je pense que ce sera le samedi. Si vous jamais vous vous posez la question et vous voulez nous voir, vous souhaitez nous rencontrer, ne serait-ce que parler un petit peu et tout, parce que bon, le salon, je présume que ça va être quand même assez grand et qu'il y aura du monde. Nous serons joignables via Facebook et via Twitter, que soit moi, enfin, moi personnellement, ce sera Facebook, Twitter, donc vous pouvez y aller. Maintenant, j'ai un portable qui me permet de pouvoir vous contacter, ce sera pas comme à la Japan Expo. J'aurai en ma compagnie Danny the Dog 36 qui était déjà venu avec moi à la Japan Expo. Je lui fais un petit message personnel, bravo, parce que lui-même a eu son deuxième enfant, hein. Donc félicitations à toi Dany, voilà, petite dédicace pour toi, et donc il viendra avec moi aussi également. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit à peu près, je vous remercie d'avoir prêté ces petites attentions à cette annonce, parce que bon voilà, si vous posez la question, tiens, on voit plus trop Azn sur les vidéos, et bien voilà, vous avez la réponse maintenant. Je vous remercie à tous, et on se dit à très bientôt, soit au salon, soit sur YouTube comme d'habitude. Merci à tous, à la prochaine.